Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Bon les refs, aujourd'hui ça va être très simple. Tu perds, t'assumes un putain de secret sur toi frère. Tu dévoiles un secret les amis. Là ça peut être la guerre. C'est pas en mode je dénonce Bilal tu vois. C'est je dénonce un truc sur moi-même que personne sait. Et bah mon ref, je suis désolé de te dire que peut-être que je vais te briser le cœur aujourd'hui. Et bah moi aussi. Ah ouais? Ah y a des trucs très très sales que j'ai en stock. Les amis pour cette vidéo. Un petit 60 000 pouces bleus les refs. Eh pour de vrai, montrez-nous que vous êtes capable de le faire. Montrez-nous la puissance de la Team AEB 60 000 likes. En tout cas les refs, abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas abonné. Go les 2 millions d'abonnés cette année. En 2023 les frères, on va le faire tous ensemble. C'est parti les amis, première manche. Premier jeu, le beer pong. Pour ce premier jeu, les deux frères auront 6 balles de ping pong. L'objectif, en lancer le plus possible dans des gobelets en faisant un rebond sur la table. Le premier à gagner 3 manches remporte la partie. Bon, t'as compris les règles, le beer pong. Tu vas devoir mettre les boules, un rebond sur la table et ça doit aller ici. On a 6 chances et il y a 3 manches. Que le meilleur gagne. Pierre feuille ciseaux pour savoir ce qui commence. Pierre feuille ciseaux. Je commence, jeune homme. 3, 2, 1, let's go. Raté. Raté. Allez! Chassa! Un gobelet. Raté. 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 Non, mais je suis nul! T'es trop chap. C'est mon tour. Bon, les amis, c'est parti. J'ai mes 6 boules. 1, 2, 3. Oh là! Magnifique ça! Une boule. Oh fuck. Non! 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 Une boule chacun, on fait comment là? Bah là on continue, deuxième manche les refs. Deuxième manche, let's go. T'es prêt? Ouais. Tu vas dévoiler le secret, je te le dis. Non. Ben non! Raté, raté, raté encore. Oh t'es nul! Oh! Magnifique celle-là. De gobelet. Oh! À mon tour. Ah c'est stressant de ouf les refs. On dirait que c'est facile mais c'est trop compliqué. Let's go. Non! Cher! Non, bah wesh, attends frère, non, donne-moi attends, ça! Attends, attends, wesh, allez taper là! Mais il abuse! Mais vas-y, vas-y! Mais frère, tu la prends alors qu'elle va dedans! Vas-y, vas-y! C'est bon, tu vois? C'est bon, tu vois? T'en as qu'une! C'est bon! Non? C'est bon, tu vois? Non! Oh là là! Qui va assumer? Oh là! Oh non! 3-2! Troisième manche! Je vais le remonter, ne vous inquiétez pas! Yes! Ah, 3-3. 3-3? Bah oui, il y avait 3-2 pour moi. Donc là, c'est ta dernière. Nope. Ah! C'est ta dernière manche. Nope. Yes. Nope. Yes. Nope. Yes. 3-3, j'ai juste à la mettre. Et j'ai gagné. Oh non! Honnêtement, les amis, quelle satisfaisance. Ça se dit pas. Satisfaction. Eh, c'est simple. Je mets une boule, j'ai gagné. Donc, j'ai gagné. Non. Donc, j'ai gagné. Non! Donc, j'ai gagné. J'ai officiellement gagné le premier jeu, Bilal secret. Bon les refs, je t'ai dévoilé un secret, je peux retourner à ma place? Ouais, bah avec plaisir. Tu vois quand on était petit, ouais. On faisait le ramadan. On était petit, hein, on avait allez, que 10 ans. On faisait un jour oui, un jour non. Ouais. C'était important, maman elle disait, ouais, commencez le ramadan, c'est important. Faut que vous jeûnez, vous avez grandi. Et tous les deux, main dans la main, on a fait un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Ok. Un jour oui, un jour non. Un jour oui. Un jour non. Un jour non. Ouais. Mais il faut savoir que moi j'avais faim. Et en fait je faisais un jour non, un jour non. Un jour non, un jour non. Il faut savoir qu'à cette époque-là, peut-être jusqu'à 15 ans, j'ai jamais fait le ramadan. Attends. Donc jusqu'à 15 ans, t'as pas fait le ramadan. J'étais inconscient, j'étais petit. Là, Bilal, c'est une dinguerie, là. Là, je crois que tu réalises pas, en fait. J'ai un autre truc. Ça faisait partie de ce secret-là, ça allait ensemble. Laisse-moi digérer, frère. T'as jamais fait le ramadan jusqu'à 15 ans. Non, pas jamais. Bon, en fait, c'est juste que pendant la journée... Ouais, t'es mal, il a pas d'excuse. En fait, la journée où je le faisais, bah, des fois, de temps en temps, petite gégorre d'eau. J'étais petit, ouais, j'étais à fond de là, je le fais plus. T'avais 15 ans. J'ai grandi. Je suis sidéré. Vas-y, c'est quoi le truc qui va avec, s'il te plaît? En fait, je te rappelle quand on était petit. Ouais. On habitait dans une ville et tout. Il y avait un arbre à Mirabelle. Tu te rappelles quand on n'a pas fait exprès de manger la Mirabelle, tellement on était choqués de cette action? Ouais, ça c'est vrai. Les vrais qui savent, on avait mangé des Mirabelles pendant le ramadan, mais la vie de ma mère qu'on savait pas, on avait oublié. Ouais, et du coup, Adem, il était tellement païen, il a couru voir mes parents pour dire on a mangé des Mirabelles, on savait pas. Ma mère, elle a dit comme vous savez pas, continuez le ramadan, c'est pas grave. Ouais. Bah, il faut savoir que je savais. Oh! Oh mon dieu! Oh! Starfond
Moi je m'arrête. Je m'arrête, j'étais petit, j'étais con. Oh. Depuis je me suis repenti. Mais Bilal, t'avais dit à papa et maman, on n'a pas fait exprès, papa, maman, tu savais. Et frère, la Mirabelle, elle était tellement bonne. Jeu numéro 2, le Sprite Challenge. Pour cette seconde épreuve, l'objectif est simple, boire une bouteille de Sprite le plus vite possible. Mais attention, il paraît que ça donne sacrément envie de roter. Alors les amis, on se retrouve ici, Adem, t'as ta bouteille de Sprite. C'est le Sprite Challenge, tout simplement. Celui qui le boit le plus rapidement possible, il a gagné. Celui qui perd, il balance son secret. Ah, pourquoi pas rajouter un autre truc. Après avoir bu... Faut pas roter. Celui qui rote pas, parce qu'à ce qui paraît, c'est une dinguerie, t'es obligé de roter. Ah bah ouais, on l'a déjà fait sur TikTok, la vie de ma mère, t'es obligé de roter, sinon t'exploses de l'intérieur. Ne le faites pas chez vous au cas où. Bon, Adem, t'es prêt ou pas? C'est parti, on l'ouvre. Attends, écoutez, écoutez. Oh, la ASMR en direct. Allez, 3, 2, 1, let's go. Ah, ça, faudra, ça déchire. J'ai envie de roter de ouf. Waouh. Guys. C'est rentré par le nez, frère. Ah, c'est dur. Oh, le bâtard. Ah. Ah, 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 j'ai envie de roter. Ah, non, non. C'est le premier qui finit, là. Ah, je suis mort, ça dégomme. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Bilal, on dirait je vais. Oh. Adem, ça va? Oh. Adem? Oh. Mais t'as roté? Je m'en fous. Vas-y, c'est le premier qui finit, frère. J'ai failli mourir, regardez ce qui me reste, j'ai gagné. Eh, l'euro, c'était un rajout de sa part, il voulait juste trouver une disque. Il a fini. Victoire. C'est trop dur, je peux pas. Je me suis arrêté de parler en plein élan parce que il allait me rattraper. Mais t'as roté. Mais j'ai gagné quand même. Ouais, c'est bon, tu l'as fini en premier, c'était ça le vrai jeu. Voilà. Attends, y'a un truc qui se prépare là. T'es trop moche. T'en as un toi? Non, moi, c'est bon, moi. Ah, waouh. Tout ça, pour ça. J'ai gagné les amis. Ah, c'est quoi ça? Ah, je suis un dinosaure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je pense que ça a fait ça. Je me suis transformé, frère. J'ai pas compris. Mais c'était un bruit de dinosaure. Eh, secret. Ah, merde. Allez, dis-moi. Je te rappelle quand t'étais petit, t'es inconscient quand même. Il y a des choses... Ah, mais il remet toujours la faute sur l'inconscience. Adem, tu te rappelles ou pas? Papa, il t'avait surpris. En gros, il avait pris ton téléphone. Tu sais, quand t'es petit, tu tapes n'importe quoi sur Internet. Ouais. Tu découvres. Ouais, tu découvres le monde. Ouais. Malheureusement, c'est pas bien, mais je pense qu'on va pas se le cacher. Il y en a beaucoup qui sont passés par là. Ouais. Et t'avais écrit fille qui danse, fille nue. Ouais, 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 c'est possible. Ouais. Tu t'es fait engueuler par papa. Il a pris le téléphone, il a fait c'est quoi ça? Ça, c'est haram. Ouais, je me rappelle de ça. Et il a raison. Mais ouais. T'étais petit, c'est la découverte, l'école, les gens, ils disent ça et tout. Ouais, mais me dis pas que c'était toi. Et ben en fait, frérot... Mais quoi? En fait, frérot, quoi? En fait, j'ai pas compris pourquoi il t'a engueulé, Mskin, parce que c'était moi. La vie de ta mère. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux l'insulter? Non. Mais frère, c'est une grosse dinguerie. Il croyait que c'était moi, il croyait que j'avais un caractère de ouf, en mode prédateur et tout. Mais en fait, c'est toi le dalleux. Mais n'importe quoi, Starfall là, tu... Non, non, tu mélanges tout. Mais attends, comment ça peut être moi qui tape? C'était ton téléphone, mais c'était moi qui avais tapé. Et si toi, tu t'es fait griller, il a dit, wesh, pourquoi t'as fait ça? Mais c'était moi. T'es un sacré traître. Donc papa, tu vois que c'était pas moi, je te l'avais dit. C'était moi. Ça fait deux secrets que tu me dis, deux fois je suis tétanisé, je pense que les abonnés aussi. On va passer au troisième jeu. Ouais, troisième manche, let's go. Je suis choqué, vraiment. Troisième jeu, le ballon soufflé. Pour cette troisième épreuve, Adem et Bilal poseront un gobelet au centre de la table. Ils devront rapidement gonfler un ballon de baudruche, puis utiliser l'air accumulé à l'intérieur pour propulser le gobelet du côté de l'adversaire. Le premier à propulser trois fois le gobelet chez l'adversaire l'emporte. Mais Adem, faut vraiment que ça tombe là, c'est comme si c'était des cages, pas là. Faut pas que ça tombe sur les côtés en gros. Et là, le ballon il est pas gonflé direct. Là, il faut le gonfler. C'est le plus rapide qui gonfle, qui envoie direct son gobelet en enfer. Ok, 1, 2, 3. Merde! Oh, il est tombé sur le côté, remets la balle ici. C'est en 3. Oh, le gamin! Oh! Un 0, manche 1 pour Adem. Bien joué, un 0. Manche 2. Mais doucement! Sur le côté? Eh, t'es trop nul! Oh là là, je suis trop fort! J'ai envoyé un Kamehameha, mon pote! En 3, c'est parti, il y a 2-0 pour Adem. On y va. 1, 2, 3.
C'était trop nul. C'est dur. T'es mal à Bastos, là, t'es mort. Pause. Oui. Vas-y. Mais arrête, t'as pas le droit de contrer, ouais. Je crois que c'est une cage. C'est bon, j'avoue, j'ai contré. Vas-y, je suis nul. J'ai gagné, victoire, secret. Vous êtes prêts? Bah, moi, je suis prêt. Les abonnés, je pense qu'eux, ils sont pas prêts. Papa et maman, ils sont pas prêts non plus. Parce que tu dis que des dingueries. Adam, on était petits. Encore? On était inconscients. Mais wesh, Bilal, t'es trop un cachotier avec ça, wesh. Très, très rarement, on mangeait à la cantine. Nous, on mangeait halal. Bah oui, du coup, on mangeait que des légumes. Voilà, ou du poisson. Et je pense qu'il y en a certains dans les commentaires, vous aussi, c'est ça? Ouais, bah, les musulmans, quoi. Les vrais. Mais j'ai même pas encore parlé. Non mais je te vois venir, garçon. Non, Adem, c'est pas ce que tu crois. Bah, vas-y, raconte. On va pas juger l'humain. C'est bon? Tu juges pas. Vas-y, dis-moi. La meuf, elle arrive et tout. Premier jour, bam, je tape le poisson. Et à chaque fois, quand il y avait pas le poisson, il y avait de la viande et tout. La meuf, elle me dit, tu veux le saucisse, la viande? Je dis non, on mange pas, on mange halal. Ok, bon, là tu manges la viande. T'en veux ou pas? Non, c'est bon. Troisième jour. Bon, tu veux de la viande? Ramène. J'ai dégommé ça. Et c'est parti. Star fondant. Je sais, Adem, c'est une dinguerie, voilà, désolé. Non, Adem, j'étais petit. J'étais petit. Oh. Mais ça, c'était pas du porc, ça va. C'était juste pas halal. Non, ça va pas, c'est une dinguerie aussi. C'était juste pas halal. C'est une dinguerie aussi. Attends. Mais vite, tu dis trop de dinguerie, là. Tu te rappelles le jour, on est allé à la cantine, t'étais au fond avec tes potes. Moi, j'étais de l'autre côté. Ils servaient des saucisses. Adem, il me fait, on n'a pas le droit de manger. J'ai fait, oh, ah, je me rappelle de ce jour. Je t'ai dit, on fait. Je t'ai montré la saucisse, j'ai fait ça. J'ai dit, non, on mange pas. Et bah, moi, j'étais comme ça. My hot dog. Adem, je te jure, une fois que j'ai fait ça, même quand j'ai grandi, à l'heure actuelle, des fois j'ai des remords. J'ai dit putain, pourquoi j'ai fait ça? C'est les seules choses que je regrette dans ma vie. En fait, je suis choqué. On était cons, alors que maman nous disait les bases et tout, mais starfall là. Oui, je sais, mais déjà de 1, t'es un haramiste, et de 2, on a dit de pas juger, mais c'est pas grave. Mais c'est une grosse dinguerie, puisque je me rappelle, tu me faisais tout le temps le mec, t'as pas mangé, hein? Je faisais non, non. Et après, à chaque fois, papa et maman, ils croyaient que moi je mangeais du porc et tout. Enfin, j'ai rien contre le porc, mais comme on est musulmans, on peut pas. Mais à chaque fois, ils disaient en mode t'es sûr et tout, t'as pas mangé. Tu manges en cachette. Tu vois. Ouais, toi, c'est sûr que tu manges en cachette. Non, malheureusement, ils se sont trompés de fils. Oh. Là, pour la vidéo, j'ai Dahik et tout. Non. Voilà, j'ai vraiment le seum. Papa, maman, vous voyez, la tête d'homme, c'était pas moi avant, c'était lui en fait le mauvais. En vrai, je suis dégoûté, la tête d'homme, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais c'était bon. C'était bon. Mais tu vois, c'est pour ça que tu peux pas être pardonné. Non, voilà, c'est pour la vidéo que je rigole. Genre, c'est pour la vidéo. Là, tu me coupes les cams, tu vois, j'ai des remords et tout. Mais c'était bon. Vas-y, prochaine manche, frère. Prochaine manche. Prochain jeu. Jeu numéro 4, la goutte de trop. Pour cette épreuve, les deux frères devront à tour de rôle verser de l'eau dans un verre. Chacun peut verser autant d'eau qu'il le souhaite. Mais attention, le premier à faire déborder le verre est éliminé. Du coup, Adem, c'est la goutte de trop. C'est hyper connu, c'est hyper dur. Et celui qui perd, il assume son secret. Let's go, commence. Parce que t'as trop perdu en fait, vas-y. Ouais, déjà, je vais te bombarder d'eau. À toi. Vas-y. Je suis gentil, déjà, je me suis arrêté. Hein. Ouais, t'inquiète, t'es vraiment trop un bon, toi. Mais t'as pas le droit de faire de plusieurs à-coups comme ça. Il y a pas eu d'à-coups, c'est juste ça a mis du temps à recouler. Mais là, il est fini le jeu. Non mais bon courage mon pote, c'est tout. Oh merde. Bon courage mec. Allez, concentration les amis. Allez Bilal. Oh yeah, fuck. À toi. Toi t'es trop un mec brusque. C'est non. Sûr il va pas réussir. Ok. Oh là là. C'est stressant quand même. Fire. Holy fuck. À mon tour. Ah, fais pas bouger la table. Ah ouais, parce que ça aussi c'est de la triche. Doucement avec tes gros genoux. Vas-y. Perdu. Oh, c'est trop une dinguerie. Ah, la dinguerie. Bon allez, à mon tour. Là, ça commence à dépasser un petit peu. L'eau, elle dépasse le verre. Allez. Oh, c'est trop dur. Je suis trop fort. Bah là, ça va déborder. Je le sens, je le sais. Je l'ai vu. J'ai fait un rêve prémonitoire. Qu'est-ce que tu racontes? Bah si, regarde, je te l'ai dit. Victoire de... Oh, personne. Une goutte, génie. Roll. Allez, mon ami. Allez. C'est la défaite, Ada. Wesh, tu paniques ou quoi?
Voilà la chance. Oh, j'en ai tellement mis beaucoup. Parle français, frère. Victoire de Adem. Oh, oh non, je vais perdre, c'est trop une dinguerie. Allez, un petit secret d'Adem, ça fait plaisir. S'il te plaît, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Oh, t'as vu tout ce que j'ai mis? Mais tout ce que t'as mis, mais là c'est la fin. J'avoue, là j'ai essayé de perdre. Ah ouais? Que je te disais un secret parce que t'es trop nul. Mais j'arrive pas à perdre en fait, naturellement. Vas-y, vas-y. Oh, c'est tombé, non, c'est, non, tombé. Non, non, non. C'est tombé, c'est tombé, n'importe c'est tombé, quoi. C'est tombé, c'est tombé, j'ai gagné. Oi, oi, oi. Victoire les frères, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie de dire de secret, j'ai pas envie de dire de secret, ça y est, ça fait 5 fois là. Secret, les amis, let's go. Je pense que ça va te briser le cœur, j'aurais peut-être dû te le dire, mais mets-toi à ma place, c'est gênant. Ok. À l'ancienne, quand t'avais 15 ans, t'étais en couple, tu sais, c'est des trucs de gamin, t'étais avec une meuf. Il y avait un jour, un soir, t'étais au téléphone avec elle. T'es parti. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une dinguerie. Mais en vrai, je m'en fous parce que c'était avant. T'es allé aux toilettes, t'as laissé le téléphone. Je suis allé la voir, parler au téléphone pour Dahak. Tu sais, moi, je suis un mec, je suis trop matrixé, je suis trop bête. J'ai toujours envie de rigoler. D'accord. Et pour Dahak, j'ai fait, avoue, je suis ton style de mec. Et après, elle a dit, bah en vrai, comparé à Adem, ouais, t'es mon style de mec. Je préfère en gros les mecs bruns, rebeux, typés comme ça, pommade. La vie de ta mère. Vie de ma mère. Oh la s. Ah, j'ai bien fait de te têche au final. Allez, va à l'école. En fait, j'étais tellement gêné sur le coup, j'ai fait. Vas-y, peut-être qu'elle rigole aussi. Mais en fait, avec du recul, je fais. T'es dame, elle était sérieuse. En fait, là, j'ai supposé que je me mettais mes mains à couper. Si je faisais du rentre dedans. Tu l'as géré. Alors, elle était pas nette. Ok, ok, je vois, je vois. Merci de m'avoir fait découvrir que c'était une. Non, faut pas dire ça. Bon, en tout cas, je t'ai sauvé de ça, tu vois. Franchement, merci. T'as le seum de moi parce que je l'ai pas dit. Non, je m'en fous. Parce que je savais que j'allais pas faire ma vie avec. Ça, c'est bien réfléchi. Prochain jeu. Jeu numéro 5. Le PQ mouillé. Dernière épreuve. Ici, Adem et Bilal auront un verre rempli d'eau posé sur une bande de papier toilette. L'objectif est de déplacer le verre jusqu'à eux en tirant sur le papier, sans faire tomber d'eau. Sinon, le papier se déchirera. Le premier à ramener le verre jusqu'à lui l'emporte. Ok, pour le cinquième jeu, c'est simple. Vous avez eu l'explication, on y va. Allez, 3, 2, 1, gobelet. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai réussi. Moi aussi. En même temps. En même temps, ça. Et tu sais, j'ai renversé de l'eau, ça allait se déchirer. Ça s'est pas déchiré avant. Ça s'est pas déchiré. Si t'es chaud, viens, on met un peu plus long le PQ et on refait. Allez, deuxième manche, c'est parti. 3, 2, 1, on y va. Oh putain. Oh, c'est trop dur. Oh putain, c'est trop dur. Te déchire pas, te déchire pas. Te déchire pas, doucement Bilal. J'ai réussi, stop. J'ai réussi aussi. Mais frère, j'ai fini avant. Ok, bah troisième manche. Bah, en fait, tu triches. Hey, vous avez vu ce qu'il fait? Quoi? T'as pas tes carrés à plat sur la table, tu les mets d'abord debout et tu fais ça. Mets-les à plat sur ta table, tes 6 carrés, mon gars. Ok. T'es un ouf, toi. Vas-y, un. Un, deux, trois. Oh. C'est déchiré! C'est déchiré! Oh. Il a même pas commencé! Mais je l'ai même pas vu, je le vois pas, il est derrière! En vrai, je le fais tranquille, frère. Bon bah les amis, vous allez savoir mon premier secret. Let's go! En fait, c'est simple, les amis. Quand j'étais petit, mais pas si petit que ça, et ben en fait, j'ai bu. T'as bu quoi? De l'eau, frère. Je croyais que t'allais me dire de l'alcool, j'ai flippé, frère. Non, j'ai bu de l'eau pendant le ramadan. Je m'en fous. Bah... Non, c'est de la triche, plus piquante. Plus piquante, je suis désolé, c'est trop nul. Oh non, non, les refs, c'est une dinguerie, voilà. En plus, lui, comment il les raconte mal? Ouais, j'ai bu pendant le ramadan. Je mets trop de trucs en mode, c'est rien. Bilal, là, ok, tu sais quoi, je te dis ma plus hard, c'est bon. Là, je pose mon tel, je pose mon cul sur la chaise, et je te dis ma plus hard que j'ai dit à maman tout à l'heure. Elle est sortie, bah, direct. Elle était choquée. Ah, tu l'as dit à maman? Je l'ai dit à maman. Starfall, j'espère que c'est pas une dinguerie, frère. Vas-y, dis-moi. En fait, vous savez, depuis le début, je crois que j'ai menti à toute la communauté. Donc, en plus d'avoir menti à nous, t'as menti aussi à eux. Ouais, en fait, vous vous rappelez? Starfall, Adem, t'es un traître. Oh, c'est une dinguerie. Ah, vas-y, dis. En fait, ce bâtard, il me fout le seum dans le sens où, pendant que je disais le truc du ramadan où j'ai bu de l'eau, et bah, il a deviné. Ah ouais? Bah oui.
T'as pas compris? Non, vas-y, dis-moi, arrête de tourner autour du pot, j'aime pas ça. D'accord. Tu te rappelles quand j'allais chez Wesley? Bah, j'ai bu de l'alcool. J'ai goûté. Non, ça, c'est une dinguerie, je préfère manger du porc. Là. Voilà, je vous l'ai dit, les frères. Pourquoi t'as fait ça? Je voulais goûter, frère, en fait. Adem, ça pour moi, c'est le pire truc. C'était un truc, ça, on s'était en dit. En fait, écoutez, la famille, s'il vous plaît. J'étais petit, moi aussi, j'étais con, j'ai des regrets et tout. J'ai goûté, genre, c'était de la vodka. En plus, il est parti chercher un truc hard. Et après, j'étais dans le coltard, comme ça. J'étais mort. T'es bourré? Ouais, bah, j'ai bu un verre en entier. Ah, je te déteste. Non, tu mens, Adem, c'est pas possible. Bah, on appelle maman tout de suite, je l'appelle. Non, Adem, tu me trolles. Non, tu veux que je l'appelle? Appelle? C'est une dinguerie. Encore, tu manges du halouf sans faire exprès. Gélatine de porc, bonbons sans faire exprès. Mais ça, on fait plus. Tout ça, c'est... Allô? Ouais, maman? Oui? Tu te rappelles, il y a à peu près une heure, quand je t'ai dit mon secret? Oui. Bah, désolé, mais est-ce que tu peux leur dire la vérité? La vraie vérité? La vraie vérité? Tu m'as annoncé que t'avais déjà vu? Ouais, mais maintenant, la vraie vérité. C'est pas vrai, tu m'as menti. Tu m'as troll. Ouais. C'était un franc, ma maman a savé. Ouah, tu m'as fait trop peur. Bah oui, il m'a mis dans la confidence. Ah, voilà. Vas-y, maman, tiens, à tout à l'heure. Ah ouais, bisous, ciao. Ça va, frère, t'es fou quoi? Jamais de la vie! Mais en vrai, heureusement, tu m'as fait redescendre. Voilà, heureusement, c'est pas vrai. Tu peux me dire un vrai truc, s'il te plaît? Eh, la vidéo, c'est pas des pranks, c'est des vraies vérités qu'on veut, c'est des vrais secrets. Ok, et qui te dit que je vous mens pas encore? Vas-y, Starfonda, frère, t'es un chétan. Eh ouais, je vous manipule tous depuis le début. Vas-y, ça! Un vrai secret? Vas-y, c'est bon. En fait, Bilal, on est d'accord, même la famille, vous tous, vous savez, avant, on avait pas d'argent. Ouais, c'était la haise. C'était la haise. Bah, après, faut pas abuser. C'était la haise quand même. En fait, je vais trop passer pour un mec, un bandit, mais c'est vraiment un truc de merde. J'étais à Carrefour avec Wesley encore. Mauvaise fréquentation, mais... non, la preuve, y'a rien eu, j'ai rien fait. Tu vois, à Carrefour, y'a des caméras et tout. On se disait, vas-y, mets-toi là, comme ça la caméra nous voit pas et tout. Et on faisait que de voler. Oh, mais wesh, ils ont fait tous les péchés de... J'étais un gros... En fait, c'est ce que j'ai volé. J'ai séché les cours pour voler en plus des tagadas. Attends, pause. Attends, mais t'as vu la chute? Tout ça pour des tagadas, déjà? Ouais, et après, on s'est barré en courant, on croyait qu'on s'était fait griller. On était comme ça, oh merde! Y'avait personne. Mais voler au moins des choses bien, les refs. Bah oui, je sais, c'est ça le truc. Mais juste, tu me fais passer pour un haramiste. T'es pas mal. Attends, écoute. Le vol, l'alcool... Mais c'est faux, c'est faux. Ouais. Mais par contre, y'a un truc qui est vrai qu'on allait vraiment le faire. En fait, on voulait braquer une vieille. Non, Starfond là. Mais non, mais écoute, me parle pas. Mais je te dis la vérité. Me parle pas. Mais genre, j'avais 16 ans. Mais wesh, c'est quoi ces idées bresson? Mais écoute. Heureusement, t'as changé. En plus, c'était à Noël. C'était pendant la période de Noël. Une vieille, elle avait fait son plein de courses. Et en mode, j'ai dit à Wesley, pendant que tu lui parles, moi, je lui péta son sac de courses parce que j'avais trop faim. Mais tu t'imagines, la bouffe, la vie de ma mère, ça rend trop fou. Mais wesh, ils voulaient braquer une vieille, les refs, c'est une dinguerie. Voilà. Du coup, désolé les mamies, je peux vous braquer aussi, en fait. Non, je rigole, mais c'était avant. Heureusement, il a bien changé, quand même. Toi, t'étais une petite racaille, quand même. Ouais, franchement, moi, à la campagne. À la campagne. Bon, la famille, c'est une fin de vidéo, en espérant que ça vous a plu. Franchement, la vie de ma mère, j'ai trop kiffé. Le seul petit inconvénient, j'avoue, c'est que t'as trop perdu. T'as été nul aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, là, j'ai trop le démon, les refs, parce que j'ai sorti vraiment mes pires secret. Et je pense que y a moyen, j'en ai encore. Arrête. Si vous êtes chaud pour une partie 2, toi t'en as pas dit beaucoup, t'en as noté quand même. Quand tu m'as dit vas-y dis, c'est pas assez piquant, bah j'ai presque tout dit en fait. Mais je pense que si je remonte dans les souvenirs, y a moyen en vrai, de refaire une partie 2 tout simplement. Ouais, cette fois-ci je pense qu'on va faire ça mais sous production, genre un vrai truc dans un endroit méchant et tout. Déjà là, dites en commentaire comment on s'est démerdé de nous-mêmes. Il faut savoir que c'est nos micros, c'est nos caméras. Dites en commentaire que vous avez kiffé. Je veux juste savoir si vous préférez ce style de vidéo là ou juste une caméra. Genre imaginons, il y a que celle-là. Voilà, c'est comme ça. Ouais, moi je trouve que c'est stylé quand même, pour un truc où t'es chez toi en plus. Ah, franchement, ça fait plaisir de tourner à la maison. En tout cas, les refs, on est contents de reprendre les vidéos. Cette année, on va bombarder, rester connectés. Maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Partagez la chaîne. À vos amis. Et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Adem et Bilal. Salam la famille. Ciao, j'ai déjà bu de l'alcool, c'était vrai. Au calme.